D'ailleurs, la mort de Dieu le Père qui nous appelle dans son unique Église et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Chers frères et sœurs, c'est un jour de joie où notre Église s'enrichit d'une nouvelle cloche et où nous avons l'occasion de venir Dieu pour cette célébration. Les cloches sont liées à la vie de la communauté chrétienne. Leur sonnerie marque les temps de la prière, rassemble le peuple pour les célébrations liturgiques, avertit les fidèles des joies et des peines de chacun. À l'occasion des baptêmes, des mariages et des enterrements, mais aussi des événements graves, qui affecte la vie de l'Église et celle de la cité, participant donc avec attention et piété à ce rite de bénédiction. Ainsi, en attendant les cloches, nous nous souviendrons que nous sommes une famille. Et en écoutant leur appel, nous nous rassemblerons pour manifester notre unité dans le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui rassemble la multitude des peuples dans ton unique Église, regarde avec bonté ton peuple rassemblé pour la bénédiction de cette nouvelle cloche. Accorde à ceux qui l'entendront résonner pour les convoquer à l'Église de prêter à sa voix une oreille attentive et de célébrer tes saints mystères d'un seul cœur par le Christ Jésus notre Seigneur. Dans nos cœurs. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as fait l'univers pour que toutes les créatures chantent la splendeur de ton nom. Tu as fait l'homme à ton image, pour qu'il te connaisse en écoutant ta parole. Réponds du haut du ciel ta bénédiction sur cette cloche, pour que sa voix, comme un écho de ton appel, nous rassemble autour de toi. Que sa sonnerie nous rappelle au long des jours ta présence invisible parmi nous. Qu'elle soit l'expression vivante de nos joies et de nos peines. Qu'elle chante toujours à la louange de ta gloire. Pour tout ce que tu fais, avec tout ce qui te chante, par tout ce que nous sommes, louange et gloire à toi, notre Dieu, Père très saint, avec ton Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Que chante désormais cette cloche pour la gloire de Dieu et le service de l'Église.
s'asseoir. Venez.
Saint-Job, ange Hilaire Wemba, le curé de la paroisse Saint-Vito, abbé Jean-Paul Bidunga Poitier, monsieur les abbés de la paroisse Saint-Quisito, révérend père et révérend sœur, monsieur les représentants des différentes confessions religieuses de la place du Pointe-Noire, monsieur Firmin Bozangabato, coordonnateur du BEDAL et président du Conseil national de la Conférence laïque catholique du Congo, monsieur le chef du quartier CU 403, peuple de Dieu ici présent. À l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la paroisse Saint-Vito, l'honneur m'est choix avec l'ensemble des paroissiens de vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue parmi nous. Le 28 juin 2021, Monseigneur Miguel Angel Colaveri, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Pointe-Noire, avait procédé au lancement des travaux de rénovation de la paroisse et des activités tels que le jeu de Zango, les concours d'excellence des élèves des cycles primaires et secondaires, la marche, le concert des chants, etc., etc., inhérentes à la célébration de ces 50 ans. Le comité de pilotage sous la supervision de l'équipe SIRAL, ensemble avec les paroissiens et les personnes de bonne volonté, ont déployé des efforts pour rendre visible cette célébration. C'est ainsi que nous souhaitons au peuple de Dieu bonne fête. Merci. La paix du Christ. Cinquantenaire go, cinquantenaire go, et pour le rapport. Chers frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, qui finalement est pour nous une action de grâce pour les 5 ans de maturité et de cheminement ensemble pour cette paroisse qui est nôtre, lieu d'expression de joie, lieu de prière, mais aussi et surtout lieu de méditation et de convivialité, tous tournés vers le Seigneur, nous allons lui confier nos limites, nos imperfections, nos péchés et finalement solliciter la miséricorde de Dieu. D'un seul cœur, d'une seule âme, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je confesse que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
C'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu t'épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Mère qui aime les vivants, toi donc le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis. Tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Aleluia.
la traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule. Car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit: Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous se criminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais de mon pauvre de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Alors Jésus dit à son sujet: aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Célébrer cette année
son jubilé d'or. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci pour s'être rassemblés ici, pour dire merci au Seigneur. Que chacun de nous bénéficie de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Les lectures qui nous sont proposées pour la méditation de ce jour ont une importance capitale au centre, au cœur de notre vie chrétienne. Ainsi donc, en méditant les textes liturgiques que notre Mère l'Église nous propose, nous pouvons relever deux mots inséparables, à savoir la miséricorde et la conversion. Après avoir tout oublié au sortir de cette église, retenons qu'aujourd'hui, jour d'action de grâce, nous retenons deux mots, la miséricorde et la conversion. La miséricorde de Dieu invite à la conversion. Dans le psaume 129, il est écrit: si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne, pour que l'homme te craigne. Psaume 129, versets 3 et 4. La conversion est donc la réponse de l'homme à l'amour miséricordieux du Seigneur, la paix du Christ. Je disais donc que la conversion est la réponse de l'homme à l'amour miséricordieux du Seigneur. Dans la première lecture, l'auteur du livre de la Sagesse affirme que la toute-puissance de Dieu se manifeste par sa capacité à pardonner. Sa capacité à pardonner. Tu as pitié des hommes parce que tu peux tout. Le Seigneur ferme les yeux sur les péchés des hommes. Ceux qui tombent, il les reprend peu à peu. En même temps, le livre de la Sagesse indique quelle doit être l'attitude de l'homme face à la révélation de l'amour miséricordieux du Seigneur. Dieu ferme les yeux sur les péchés pour que les hommes se convertissent. Le message est très clair. Ceux qui tombent, il les reprend peu à peu. Tu les avertis, tu leur appelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Dans la miséricorde de Dieu, il n'y a pas d'encouragement au péché, mais il y a une invitation à la conversion. Il y a une invitation à la conversion. Au retour à Dieu, pour vivre comme enfant de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes donc appelés pour un retour vers le Créateur. L'évangile de ce dimanche nous montre comment Jésus-Christ est vraiment l'incarnation de la miséricorde divine. Zachée était un des chefs des collecteurs d'impôts. Comme tel, il faisait partie du groupe des Juifs collaborant avec la puissance coloniale romaine. Et certainement, comme collecteur d'impôts, il exigeait plus qu'il n'en fallait. Aux yeux des Juifs sérieux, soucieux de vivre selon les exigences de la loi de Dieu, Zachée était un pécheur public, un homme à éviter à tout prix. Paradoxalement, c'est un tel personnage qui va être l'objet de l'attention spéciale du Christ à Jéricho. Jésus s'invite lui-même chez Zachée.
Cette manière d'agir suscite l'indignation totale des témoins de la scène, comme l'écrivait le pape Benoît XVI. Leur murmure désapprobateur se veut une expression de l'amour de la justice. Ils ignorent cependant la justice de l'amour qui s'ouvre jusqu'à l'extrême. Benoît XVI, exhortation apostolique, post-synodale, Africae Munus, 2011, numéro 25. De fait, le comportement de Jésus est vraiment inhabituel. Jean-Baptiste, par exemple, recevait des pécheurs, y compris des collecteurs d'impôts, qui allaient le trouver au désert pour lui demander ce qu'il fallait faire. Luc chapitre 3, versets 12 à 13. Toutefois, ce sont eux qui allaient vers Jean-Baptiste, mais pas l'inverse. Avec le Seigneur Jésus, cependant, c'est la miséricorde qui poursuit le pécheur. C'est la miséricorde qui poursuit les pécheurs. Telle est sa manière d'agir. Le Christ est un véritable chasseur en mouvement. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19, verset 10. Il est venu pour chercher celui qui était perdu. Mais en venant chercher celui qui est perdu, encore faudrait-il que celui qui est perdu ouvre la porte pour accueillir le Christ, la paix du Christ. Amen. Avons-nous ouvert les portes pour accueillir le Christ? Nous voyons bien, l'approche de Jésus est efficace. En effet, sans que Jésus lui ait dit quoi que ce soit, Zachée lui-même vit sa pénitence, qui est le fruit de sa conversion. La joie d'avoir rencontré le Seigneur Jésus l'amène à changer de direction dans sa vie. Lui qui est matériellement riche, il décide librement de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Lui qui a pu commettre la fraude dans l'exercice de sa profession déclare: si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. Luc chapitre 19, verset 8, la paix du Christ. Amen. Comme on peut le voir, la conversion ne se limite pas au regret de ses péchés. Il faut aussi la réparation et l'engagement à se mettre au service du prochain, en particulier du plus démuni. Très souvent, nous nous confessons. Nous entreprenons la démarche de la réconciliation. Nous regrettons nos péchés, mais nous ne corrigeons pas les fautes commises. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, au sortir de cette belle église, après cette belle messe, rappelons-nous de nos fautes. Et dès lors que nous allons décider de nous confesser, réparons également les fautes commises. Ngemefinga, Baba Nyenge, mais l'air n'est que ce souvenir réel. Ngeme, qui ça la confession est que Ngepona Koutou Kampé, Ngekwe n'a que corrigé, Mambouina, Ngepoukilaya ou Yaka. Sinon, le prêtre sera là comme étant incontable des péchés récurrents, parce qu'on s'installe tellement dans ce péché et on ne s'en sort plus. Mais si tu ne t'en sors plus, ça veut dire même que tu as perdu le sens du bien et du mal. Ça veut dire que la conscience, excusez-moi, a foutu le camp. Frères et sœurs, au sortir de nos maisons aujourd'hui, homme, as-tu dit au revoir à ta conjointe?
as-tu souri à ta conjointe? La faute commise, l'as-tu réparée à l'intérieur de ta maison? Femme, as-tu pris le soin de faire de ta maison un véritable lieu d'équilibre, d'amour, de pardon, de dialogue et de communication? Nous avons confié au Seigneur nos péchés au début de cette célébration eucharistique. Encore faudrait-il que ce péché soit effectivement confié d'une manière sincère. Après la déclaration de Zachée, Jésus dit, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Luc chapitre 19, verset 9. Le salut est arrivé pour cette maison. Remarquons que le Christ ne dit pas que le salut est arrivé pour Zachée. Ok? Il n'a pas dit que le salut est arrivé pour toi, Zachée. Mais il a dit, le salut est arrivé pour cette maison. Ceci a un sens fondamental dans la vie de la société. Pour lui tout seul, il ne parle pas de Zachée tout seul, mais bien plus pour cette maison, pour cette famille. Cela revient à dire que lorsque le chef de famille revient au Seigneur, lorsqu'il renonce à la corruption morale, il devient un canal de bénédiction, un instrument de salut pour toute sa famille, pour les autres membres de sa maison. La conversion des parents est source de bénédiction pour tous les membres de la famille. Messieurs, chers frères, si vous vous convertissez, cette bénédiction ira jusqu'à l'intérieur de votre famille. Maman, toi à qui le Christ s'est révélé en premier pour que tu portes la bonne nouvelle aux autres de la résurrection. Vous savez que les femmes étaient les premières personnes qui ont été des témoins de la résurrection du Christ. Ceci n'est pas anodin, ça a un sens, même à l'intérieur de notre culture. Mais dès lors que toi, maman, tu te convertis, c'est une bénédiction pour toute ta maison. Aujourd'hui encore, nous nous plaignons parce que nous avons un phénomène qu'on appelle les bébés noirs ou les bébés rouges, la paix du Christ. Amen. Ceci est un échec de la famille. C'est un échec de la société. Car la rue ne met pas au monde. Les enfants qui sont des bébés noirs ou des bébés rouges, les enfants qu'on appelle les enfants de la rue, c'est des enfants venant des familles, de nos familles. Nous avons des cousins, des neveux, des nièces à l'intérieur. C'est l'échec de la société congolaise. C'est l'échec de nos familles. Tous responsables, nous sommes donc appelés à nous convertir. Lorsque nous nous serons convertis, nos maisons seront bénies. La paix du Christ. Amen. Aujourd'hui donc, il ne s'agit pas de demain. Il ne s'agit pas dans 2 heures. Mais il s'agit de maintenant, tout de suite. Convertissons-nous. Orientons-nous vers le Christ. Ainsi donc, cette maison sera bénie. Cette société sera bénie. Ce Congo sera béni. Ce diocèse, cet archidiocèse sera béni. Oui, c'est maintenant, mes frères. Chers frères et sœurs, nous qui avons fait l'expérience de l'amour miséricordieux du Seigneur, sommes appelés à devenir des signes et des instruments de la miséricorde divine pour les autres, des signes de la miséricorde divine pour les autres. Nous qui disons dans nos mouvements, dans notre scola, nous qui pardonnons,
Mouke bak foula la mou mouke tout la manima, mouke regrenye maman mange après mette sa. Non. Bete fwa la voa la ba signe, ya pardon ya nzan. Bete fwa na zola sana. Bete fwa na kou pardonne ma bang ya bete. Na kati ya maman koumou ya bete yon sotou. Bete fwa la voa la ba bang ya nou zolo. En devenant des signes pour les autres de la miséricorde de Dieu, nous serons donc appelés par le Christ pour marcher vers lui. Tel l'a fait Saint Isidro, dans un engagement indéfectible. La paroisse doit devenir un espace où chacun fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Un espace d'amour, de pardon, de réconciliation, d'entraide, d'attention mutuelle. En rendant grâce à Dieu pour le cinquantenaire de notre paroisse Saint-Isidro, je vous exhorte à laisser l'amour miséricordieux du Seigneur devenir la force directrice de tous vos projets pastoraux pour les années à venir. Que dans cette paroisse, chaque personne se sente heureuse de pratiquer le sacrement de pénitence et de réconciliation auprès de vos prêtres, qui les recevront les bras ouverts et avec joie. Je prie Dieu pour que la paroisse Saint-Isidro soit cet endroit où, à pointe noire, chacun se sentira vraiment chez lui, en famille, je dis bien en famille, que ça soit la famille des enfants de Dieu. Une famille où l'on ne pointe pas les autres du doigt avec les paroles de jugement, mais où les enfants, les jeunes, les adultes se sentent accueillis, écoutés et accompagnés avec amour, peu importe leur provenance. La paix du Christ. Je dis bien peu importe leur provenance. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de division. Il n'y aura plus de nordistes, de sudistes, de centristes, mais il y aura la famille des enfants de Dieu. Là où chacun est accueilli comme un enfant de Dieu. Là où chacun peut recevoir la nourriture spirituelle, mais aussi charnelle. Chers frères et sœurs, plus que jamais, nous y sommes conviés. Sur les murs de certains bars dans notre pays, sinon dans notre pointe noire, à l'Eulésie, je n'ai pas encore vu, c'est sûr que ce n'est pas écrit à l'Eulésie. La paix du Christ. Amen. Mais ici, à pointe noire, certainement. En fait, je vous taquine. Il est écrit, ici, on rentre OK, on sort KO. Je voudrais qu'ici, à Saint-Isidro, on puisse dire, ici on entre OK, on sort KO la parole de Dieu, la paix du Christ. Amen. On sort KO de la parole de Dieu. Laquelle parole nous consolide, nous édifie, nous fait de nous des hommes et des femmes renouvelés, capables d'assumer leurs responsabilités en église et aussi en famille. Le Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Tous ceux qui sont chaos de la parole de Dieu. Pour ces cinquantenaires, sont donc envoyés pour aller chercher les brebis perdues du Christ. Nous devenons donc des missionnaires qui portent la parole de Dieu, mais aussi qui évangélisent nos frères et sœurs. La paix du Christ. L'évangélisation dont il est question ne se situe pas simplement par la parole, mais aussi par et surtout par un témoignage de vie. Toi qui es chrétien et chrétienne, comment tu te comportes dans ton lieu de travail, dans ta famille, sur la route, dans le bus? Est-ce que ta bouche
est une bouche qui sort la bénédiction, ou encore de ta bouche ne sortent que les paroles malsaines. Nous sommes appelés à être des témoins. On dit que le pays ne marche pas, mais la plupart de ceux qui sont dans les administrations sont des chrétiens. La paix du Christ. Amen. Est-ce que c'est le pays qui ne marche pas, ou c'est la parole de Dieu qui ne marche pas dans les cœurs des chrétiens? Que chacun y reprenne. Et que chacun apporte sa part. Chers frères, chers prêtres de la paroisse, chers membres du conseil, des conseils paroissiaux et des mouvements de Saint-Quisito, vous tous qui êtes membres de cette famille paroissiale, je vous encourage, à la suite du pape François, à devenir une église en sortie, qui va vers les périphéries existentielles, vers les personnes qui ne viennent pas à l'église. Soyez de ceux qui savent lire les signes des temps, qui discernent ce que l'Esprit Saint dit à votre église paroissiale. 50 ans passés, beaucoup d'entre nous n'étions pas encore nés. Moi, en tout cas, je n'étais pas encore venu dans ce monde. Mais pour les 50 ans à venir, chacun de nous doit pouvoir devenir une pierre vivante qui contribue à la construction de la paroisse Saint-Quisito, afin que celle-ci deviennent toujours mieux un instrument privilégié de la rencontre des habitants de Pointe-Noire et du Congo avec le Seigneur Jésus, qui est la miséricorde en personne. Puisse Saint-Quisito et tous les martyrs de l'Ouganda intercèdent pour cette belle paroisse, et que la parole, les dernières paroles de Saint-Quisito soient les nôtres. Mes frères, nous sommes sur le bon chemin, disait-il quand il brûlait. Mes frères, nous sommes sur le bon chemin. Mais il s'agit de quel chemin? Ce chemin, c'est le chemin de la parole de Dieu. Ce chemin, c'est le chemin de la conversion. Ce chemin, c'est le chemin de la réconciliation, de la réparation. Au sortir d'ici, si tu étais sorti en colère, en repartant chez toi, rentre tout joyeux, parce que bénéficions de la grâce du Seigneur. Et contamine cette joie autour de toi, dans ta maison. Rayonne de cette joie comme l'a vécu Saint-Quisito. Toutes les personnes avec des fronts fermés, tristes, qui s'approcheront de toi, que tu leur contamines la joie intérieure qui t'anime, la paix du Christ. Amen. J'ai toujours l'habitude de dire, et je le dis aujourd'hui à mes prêtres de Dorésie, personne ne pourra arracher la joie qui est dans mon cœur. Peu importe le problème, peu importe la gravité, qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des meurtres, mais personne n'enlèvera la joie qui est dans mon cœur. Parce que cette joie, c'est le Seigneur qui l'a implantée là. Et s'il l'a implanté, personne ne peut l'enlever. Même pas les vicissitudes de la vie, même pas la souffrance de l'épiscopat, rien n'enlèvera la joie qui est dans mon cœur. Et donc, quand je me projette dans la vie de Saint-Quisito, lui qui brûlait, mais il chantait. Lui qui brûlait, mais il était dans la joie. Et il encourageait ses contemporains, ses frères qui étaient avec lui pour dire: mes frères, nous sommes sur le bon chemin. Oh, mon frère, aujourd'hui, toi qui es père de famille, puisque tu t'es converti, la bénédiction est arrivée sur ta maison, tu es sur le bon chemin. Toi qui es mère de foyer, puisque tu t'es converti, la bénédiction du Seigneur est tombée sur ta maison. Et la joie qui est dans ton cœur, que personne ne te l'enlève. En disant ceci, je crois avoir fini. Mais si je crois avoir fini, je m'en vais dire: mes frères et mes sœurs, nous sommes sur le bon chemin. Amen. Amen.
prière de nos maîtres de vos pour confesser notre foi. Et pour ceux qui la gouvernent,
archevêque Monseigneur Miguel Rodaloni, et prêtres, et diacres, et religieux, et religieuses, et tous les laïcs engagés. Que ton esprit, Seigneur, soit sur eux, afin qu'ils enseignent à tes enfants comment te servir avec un cœur d'amour et de partage. Écoute-nous, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. La paix du Christ. Amen. Exercice de l'Eucharistie. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. À présent, chers frères et sœurs, ouvrons le cœur et apportons à la main du Seigneur ce que sa propre main nous a donné. Prêtre. Thank you.
sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oh.
Et ne
ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne la paix à cette paroisse, celle qui s'y trouve. Donne la paix à notre archidiocèse. Donne la paix à notre Église du Congo. Donne la paix à la société congolaise entière. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Oh,
Ce dernier est venu achever les travaux d'extension de la chapelle en 2011-2012 avec l'appui de la même commission paroissiale de construction. C'est toujours sous l'égide de l'abbé Célestin Masse que la paroisse Saint-Isidore a réussi à se doter de la sonorisation. Le groupe électrogène Grand Modèle qui aujourd'hui continue à alimenter la paroisse en électricité, la bâche à eau réfectionnée, appuyée d'un surpresseur, le carrelage de l'autel et de l'allée principale de la nef dans la chapelle. Il a aussi créé la chorale grégorienne. Dans cette même période, la paroisse Saint-Michel de Montcamba, annexe de la paroisse Saint-Isidore, a vu le jour et a commencé à célébrer les messes. La toute première messe avait été célébrée par l'abbé Joachim Lilo le 1er novembre 2011. Pendant la même période, Saint-Isidore avait aussi comme annexe la paroisse Sainte-Rita de Tilulu, l'abbé Benjamin Samanou. De 2015 à 2018, celui-ci est venu achever le carrelage ainsi que le plafond de la chapelle et de la salle de conférence. Il a procédé au dallage complet de la cour de la paroisse, la modernisation du bloc sanitaire en y plaçant des latrines. Toujours sous le règne de l'abbé Benjamin Samanou, la paroisse Saint-Isidore avait célébré en 2017 le 45e anniversaire. Lors de cette célébration du 45e anniversaire, l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Monseigneur Miguel Angel Olavéry, encore évêque à cette époque, avait ordonné diacre l'abbé Eddie Georges Nomo, ici présent. L'abbé Benjamin Samanou a créé la chorale Tabor. En 2016, il a réceptionné ensemble, avec le conseil paroissial et le président du quartier, le forage qui était dans l'ouable du député de notre circonscription, l'honorable Anatole Poliné Magosso, l'actuel premier ministre du gouvernement. Et l'abbé Jean-Paul Bidonga Poissy, de 2018 à nos jours. Il s'est signalé que l'abbé Jean-Paul Bidonga Poissy, par deux fois, a marqué son passage ici comme vicaire avant qu'il ne revienne pour la troisième fois comme curé. Prêtre compatissant, suivant les pas de ses prédécesseurs, a effectué comme réalisation, d'abord comme vicaire. De 1995 à 1998, il a construit le podium qui servait à célébrer les messes à l'extérieur. De 2001 à 2002, toujours comme vicaire et avec l'aide de M. Alfred Aleba, le concours et le savoir-faire du vicaire général, Mgr Alain Lumar Osso, ils ont construit la grotte mariale qui se trouve sur le podium construit bien avant. Toujours en 2002, il reçoit une somme d'argent de 32 500 000 francs CFA d'un papa devenu bienfaiteur qu'il restitue au donateur afin que ce dernier trouve lui-même un entrepreneur pour la construction des salles servant à dispenser les enseignements du catéchisme. Et c'est ce qui fut fait. La même année 2002, il agrandit le cœur de l'Église. Comme curé, l'abbé Jean-Paul Bidonga Poissy est revenu à Tizidon pour la troisième fois en 2018. Cette fois-ci comme curé. Dès son arrivée, il commence par renforcer la sécurité des prêtres en plaçant les grilles devant chaque porte et en élevant le mur de clôture derrière le presbytère. Sans oublier le carrelage des bureaux du premier et deuxième vicaire, l'achat de la sonorisation en remplacement de celle qui a été volée. Avec le soutien d'un groupe sportif dénommé Jeunesse de Saint-Isidore, il procède au dallage de la cour de derrière le presbytère. Dans l'optique de pouvoir moderniser la vie communautaire, il permet l'acquisition d'un congélateur, d'une gazinière et d'un remplacement du 42%. Il a initié pendant une période donnée une opération dénommée un paroissien, une chaise. Cette opération a permis à la paroisse de se doter de plus de 168 chaises.
Afin de célébrer cette fête Saint-Pomenaire avec faste, l'abbé Jean-Paul de Poitiers, avec le soutien des paroissiens et paroissiennes, a renforcé l'éclairage de la paroisse, érigé une nouvelle cloche, renouvelé les bâtiments de la paroisse et la grotte. En souvenance de la phrase prononcée par Mgr Miguel Angel Olavé, alors évêque, à l'endroit du père Albert Madélé, décédé lors de son ordination à la paroisse Saint-Jean-Bosco, je cite, Albert aime l'église de l'intérieur et non de l'extérieur. Fin de citation. L'abbé Jean-Paul Minois Poitiers a fait de ça son chemin de bataille. Actuellement, la paroisse Saint-Isidore de Guipou compte 22 mouvements d'apostolat, dont 8 mouvements de jeunes et 4 rapporteurs du quartier. Nous ne serons terminés cette brève historique sans pourtant mettre en lumière les vocations de cette paroisse à susciter. Plusieurs prêtres, séminaristes qui font la fierté de notre archidiocèse, ont trouvé leur source d'inspiration ici. Il s'agit de, comme prêtre, l'abbé Jean-Paul Nemo, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Tessy et doyen de la zone F Mayom. Le père Jonas Mapoka, fils de la charité. Avec homme Justin Moana, directeur spirituel au séminaire Notre-Dame de Mont. Père Amédée Serge Basile. L'abbé Antonio Mabiala, secrétaire général de la Sénat. Abbé Jules Zacharie Mabou, curé de la paroisse Notre-Dame auxiliatrice de l'Essar. Abbé Désiré Goma, vicaire de la paroisse Saint-Joseph de Moussala. Abbé Elor Angoka, diacre dans le diocèse de Goma, qui se rapporte de la Josué Bouta Prédia, et comme grand séminariste, Daniel. Comme grand séminariste, Daniel Mouma Mabiala en deuxième année de théologie, en sage intercycle, Claude Mokoka à Pumba, des frères Bantissa à Madiokai. Claude Nyanga chez les Jésuites. Prince Kungu au Togo chez les Salésiens, filleul de l'abbé Jean-Paul Minoua Kouati, orienté par lui chez les Salésiens et fils de Kungu Olivier Yakossi. Steve Bretoumoussa en stage prépédétique à l'Essara. Dimi Jean de Dieu, en stage chez les fils de la charité à Vigno. Et plus de 3 séminaristes au moyen séminaire Notre-Dame de Longo. Je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Allez dans la paix du Christ.